Bonjour à tous, ici Sprelex et bienvenue dans ce sixième épisode de Let's Play sur The Room 3. Alors, on continue, hein. Ici, on a plein de petites choses qu'on n'a pas vues. On dirait que quelque chose peut se placer sur la plateforme. Ah bah. Hop. Très bien, il y a un cristal ici. Ouh, ça ouvre quelque chose. Ah ah! On va aller voir. Un cube. D'accord. Donc ici, je peux transformer mon cube en cylindre, en ce que je veux. C'est intéressant. C'est pas... Enfin, je sais pas exactement à quoi ça va me servir, mais c'est intéressant. C'est tout. Mon sort est lié à un terrible paradoxe. Je dois piéger une âme de génie, mais pour que ce génie puisse se voir, cette âme doit sans doute voir le piège elle aussi. Le résultat est extrêmement incertain. Ils désirent ardemment le soutien de la source du zéro, pardon. Comme moi avant eux, je sens leur désir. Il les aveuglera jusqu'à leur perte. Je me demande que ce que contient cet enregistrement. Oui. Bon, allez, c'est pas très grave. On va continuer à poser des pyramides. Et on va aller à la suite. On a déjà 3 sur les 5. C'est parti. Qu'est-ce que ça va nous donner comme énigme? Oh, j'ai trouvé un livre à reliure de cuir. Ok. Je peux pas l'ouvrir. Ah, il faut l'enficher quelque part. Dans une bibliothèque, par exemple. Ben on va fouiller. Hein. Donc ça c'était la toute première salle. Vous voyez, il y a encore des choses. Cette serrure est fermée à clé, cette porte est fermée à clé. On ne peut rien faire pour le moment. Il manque quelque chose ici. Bah, je ne vois pas trop quoi faire pour le moment. De ce côté-ci, il y a des bibliothèques, donc ça c'est bien. Les bibliothèques. Ici, j'en fichais. Un ascenseur. Eh ben, on va aller vers le haut.
je savais que vous ne décevriez point. Vous avez montré votre valeur en tant qu'apprenti, et vous vous tenez à présent devant l'aube du plus grand jour. Je ne vous ai pas amené ici pour que vous témoigniez en silence de mes accomplissements. Vous avez un rôle à jouer, un rôle plus essentiel que vous ne pouvez l'imaginer. Sachez que cette avancée que nous réalisons ensemble aurait été impossible sans votre contribution, l'artisan. Très bien. Alors, on va suivre les câbles, hein, tout simplement. On est parti pour encore un peu de moins vers plus vers moins. Ça. Donc, hop. Voilà, donc ici, ça donne plus vers plus, vers plus. Donc ici, moins. Voilà. Allez, on allume le tout. Un observatoire ou quelque chose comme ça. Et puis le câble continue vers la porte pour y aller. Alors, on est parti. Toujours le même principe. Voilà, ça continue jusqu'à l'oscillateur. Qu'est-ce qui va pas? Un tournevis. Ouais, il me manque des choses ici, hein. On dirait qu'il manque une partie de la machine. Oui. Eh ben, on va aller la chercher. Je ne sais pas où elle est, mais... Coffre-fort. On dirait que le coffre est là depuis des décennies. Il y a un rail qui suit cette rampe. Ok. Donc ça revient au même. Je vois rien d'extraordinaire. Je peux pas le tourner, je peux rien faire avec. Je peux pas m'arrêter en plein milieu, donc. Donc la porte sera là. Le tournevis ne sert pas ici. Bon, bah on va aller voir ailleurs. C'est peut-être ça toute la série d'énigmes qu'on a plutôt dans les autres pièces. Alors, par exemple ici, la voyante. Elle me dit quelque chose. Je ne peux rien faire. Placer un jeton ici. Un petit mécanisme. Bah tiens.
a eu le cube qui peut se transformer et il faut le transformer en boule en fait. Et le mettre dans l'autre. Enfin en boule, oui, en sphère. C'est là-bas. Un objet en métal. Voilà, on le remet dedans. Avec le monocle, on peut changer sa forme. Je veux une sphère. Voilà. Donc là. Tiens, il y a quelque chose là. Chose dans cet arbre, oui. Je ne peux rien en faire pour le moment. Je reviens dans la salle en arrière. C'est ici qu'il y avait la porte. Mais je ne vois rien d'autre. On retourne pour mettre la sphère dans le... Voilà, très bien. Un gramophone un peu spécial, hein. Un cylindre phonographique. Rien du tout. Alors, il y avait un phonographe en bas, mais c'était un phonographe disque. Ah, quoi que non. Comment le faire fonctionner? Je ne sais pas comment. Faut qu'il y ait du courant. Cela ne semble pas fonctionner. 17,95.
Alors, ce petit rouage et ce tournevis, ils vont servir à quoi? Telle est la question. Ici, il n'y a rien. Tournevis, c'est pas pour ici. Non. Là. Non, c'est juste un effet d'optique parce que je passe de clair à sombre. Donc il avait l'air un peu plus. Un peu plus activable. Alors je ne vois pas, pour le moment du moins. Là, c'était ma cellule. Il me manque toujours un élément pour pouvoir ouvrir cette grille. Et là, on l'a fait. Je ne vois pas. Je vais quand même retourner en haut, voir si le cylindre ou le rouage servent à quelque chose là-haut. Rien du tout. Rien du tout. Ça ne change rien. Il n'y a rien qui manque. Peut-être. Allez, un indice. Et on dirait qu'il manque un composant à l'oscilloscope dans la tour. Où pourrais-je trouver un autre composant pour le remplacer? Dans un autre oscilloscope, peut-être. C'est vrai que j'ai pas pensé. Comme j'ai le tournevis, peut-être qu'il faut que j'en démonte un. Donc c'est un avec les deux boutons. C'était le tout premier, il me semble. Par exemple ici, ce serait pas bon. En plus, je ne sais pas le dévisser. C'est là. Hop. Et bingo. Un composant électronique. Tout simplement. Voilà.
Hop. On vient ici. Voilà. On est bon. On est bon. C'est bien l'observatoire. Voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'il manque quelque chose. Ok. Il y a des glissières ici, mais on peut pas les glisser. Lentille cassée, je vais l'enlever. Un télescope est inutile sans une lentille fonctionnelle. Et là, on peut tourner pour OK, pour des symboles. Et là, ça va être le même. Ça comme ça. Voilà. Un disque de verre gravé. Alors, une rose des vents. Il y a une cavité en forme d'étoile sur la carte. Donc, c'est un trou. Le disque, je vais le mettre ici. Voilà. Je vois qu'ici il y a du courant. Vous allez maintenant connaître le but de toute cette aventure. Avez-vous déjà vécu un moment aussi excitant? C'est notre récompense à vous et à moi. Votre résistance au zéro est remarquable. J'étais le seul à pouvoir fabriquer cette clé et il n'y avait que vous pour l'utiliser. Je suis désormais certain. Tout est une question de préparation. Les derniers calculs que ne vous causeront que peu de soucis et une fois que vous aurez ouvert le portail, je vous rejoindrai. Nous le traverserons ensemble. Ce sera la plus grande réussite de l'homme depuis des siècles, l'artisan. Alors, à part le fait que le papier se divise en trois couleurs, non, il n'y a rien de spécial avec cette géode. Y a une cavité dans la porte. Ok. Alors, il y a quelques chose
question un peu. Ah. Pas ça. Dragon. Pas grand-chose de plus. Peut-être la porte là, mais j'y crois pas. Que dalle. Je crois qu'il faut une sorte de décodeur. Non, sans blague. Tu serais pas enquêteur par hasard? Bon allez, les disques de verre dans le compartiment semblent pouvoir tourner en utilisant les onglets sur le bord. Oui. Il y a peut-être le deuxième onglet que je dois réussir à tourner. C'est ça. Ouais, bah faut trouver le bon. Ça me paraît bien, mais il y a les deux. Non, il y a les deux barres là-bas qui me. Ouais, ça doit être comme ça, quelque chose comme ça, mais. Bingo! On y voit mieux là! Ben je ne sais pas. J'ai du mal à. Pour moi. Quelque chose comme ça, mais. Je ne sais pas.
Draco de dragon. Ah, mince, oui. Voilà. Suffisait d'avoir le nom. Une étoile en cristal, ok. Bon, bah, l'étoile en cristal, on sait où la poser, hein. Là-bas. Voilà. Bon, bah, vous savez quoi? On va attendre le prochain épisode pour continuer ça. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye!